Salut tout le monde! Bon, nous revoilà parti pour une petite balade. On est parti pour faire la mine Marais Kiki. On est parti en fait en face de la rivière des Lacs. Je suis en compagnie de mon ami Fabrice. Et ça sera la dernière course de l'année en fait. La dernière rando. Voilà, parce qu'après je viens plus parce que... Après il vient... Après il vient plus, puis moi non plus, parce que... Peut-être qu'on va rester ici là, si ça se trouve, on va être bloqué. Ouais. Tous les deux, voilà. En couple. Non, non, pas, hein, non, non, pas trop, pas trop. Non, non. Allez, pas à tout à l'heure. Pas comme ça. La minute, alors, 0,2 km. Ouais. Bon, pour l'instant, il pleut pas trop. On va bien voir ce que ça va donner tout à l'heure. Direction la mine Marais Kiki. Et je crois qu'on monte là-haut. Tout là-haut. Alors, le début se fait par les pistes de Necha. La piste numéro 3. Ouais. Ok. Alors, quand je vous dis qu'on est sur une trace qui n'est pas beaucoup empruntée, c'est le cas. C'est le cas. On va faire gaffe. Ok, tout à l'heure. Là, on commence à monter. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Super. C'est bien calme. Allez, à tout à l'heure. Ok. Nous voilà sur un muletier qui va monter jusqu'à la mine en haut. Et on voit qu'il a plu parce que ça redevient glissant. Allez, à tout à l'heure. Au cœur de l'Amazonie, voilà. Fabrice ramasse toutes les premières araignées qui sont là depuis des siècles et des siècles, vu que le chemin a plus l'air d'être emprunté. Voilà, une nouvelle. Il est heureux. Allez, à tout à l'heure, parce que moi je vais me bouffer l'araignée aussi. Donc. Bon, continue à monter là dans cette forêt. Et plus ça va, plus il y a de végétation. On est obligé de se baisser pour pouvoir avancer. Mais bon, on est sur la trace, donc c'est bon signe. Ouais, tout à l'heure. Là on a vraiment une plus belle vue de la mine Marais Kiki et du lac là derrière. C'est vraiment chouette. Quand tu vois comment une grille béton a été évaluée. Ok, à tout à l'heure. Bon. Et ben nous voilà à la mine Marais Kiki. Ça fait Marais Kiki, hein. Ça fait Marais légèrement Kiki, voilà. c'est pas moi, c'est lui là. C'est lui. On va aller explorer. T'as emmené les bâtons de dynamite là ou... Oui, bonjour, oui, vous étiez au Marais. Le Marais de Kiki. C'est un peu basé sur les bords, mais ça rentre. Ouais, voilà. Bon, normalement, on devrait avoir une belle vue sur le lac, là. Maintenant qu'on est là. Alors, vous avez un chemin qui part du bord de la route, la RT1, là, qui monte directement ici. Là. Nous, on n'a pas pris celui-là parce que ça nous semblait trop facile. Et après, au moins, vous avez hop, le chemin qu'on a pris, par, ça commence par les pistes de Necha. Pour venir jusqu'ici, là, il y a les différents plateaux. Avec le lac là-bas, qui est à l'autre bout. Ok, donc là, on va repartir. Direction remonter là-haut. Et de là-haut au col, on replonge direction le pic du Cintre.
pour redescendre vers le creek Pernod. Et on aura fait une boucle en fait. Ça va nous faire 23 bornes, je crois, un truc comme ça. Allez, à tout à l'heure. Là, on a une vue, je sais pas si vous m'entendez, il y a du vent. On a une vue sur la vallée du creek Pernod. Et de l'autre côté, une vue sur le lac de Yaté. On voit à peine parce que, évidemment, on se tape la flotte. Ça laisse y attendre. Et il y a un vent, mais alors. Ok, allez, à tout à l'heure. Et là, ça crape à hutte. Hein. Heureusement que on est à l'ombre. Grâce à la météo, c'est couvert parce que. C'est pas pour rigoler le machin. Les gros cailloux et tout. Ok. On arrive en haut d'un premier palier. Je vous montre pas la vue. Parce que ça va être magnifique tout à l'heure à arriver. Donc j'espère qu'on sera pas dans les nuages. A tout à l'heure. D'un côté, la vallée du creek Pernod. De l'autre, plus on monte et plus on a une belle vue. Et en fait, on monte là-haut, là, sur ce vallon-là. Mais je préfère filmer maintenant parce que tout à l'heure, ça se trouve, on sera dans les nuages. Donc au moins, vous aurez une petite vue de ce qu'il y a. Comme on alterne entre les averses et le soleil. Allez, à terre. T'as vu la voie de dégagement? Elle est là, tout droit. Elle est tout chousse. Allez, à tout à l'heure. Ok. On est à flanc de colline, en fait. Et regardez la vue qu'on a là. On est juste en face de la mine Marie Kiki là. Et en fait, t'as vu, t'as un chemin là qui va là-bas. Et là, il y a un chemin en bas et tout. Ouais. À mon avis, il doit y monter. Ouais, ouais, regarde, il y monte là-bas, on le voit arriver là-bas. Ouais, ça, c'est le chemin qui part. Bah, on voit le départ à la route là-bas, tu vois. Ouais. Mais bon, t'as pas loin, tu dois avoir quoi, même pas 2 km. C'est pour ça que je voulais partir de Necha en fait. Et faire la boucle par là. Et c'est bien plus amusant parce qu'en fait, on utilise des chemins qui sont. Quasiment plus utilisé, donc et on voulait faire redécouvrir. Par contre, la vue là, voilà. On a une vue sur le lac. Il raconte des bêtises, je sais pas ce que c'est encore, mais bon. Allez, à tout à l'heure. Ok, vous voyez ces arbres là, il y a ça aussi en haut du. Tous ces arbres là, je sais pas comment ça s'appelle, il y a ça en haut du Monta aussi. Ouais, c'est les arbres en bois. En haut du Monta, quand on était monté, il y avait ça aussi. Enfin, là, maintenant, il ne doit plus y avoir grand-chose, vu que ça a brûlé. Ouais, il y a du charbon. Mais il y avait le même type d'arbre. Je ne sais pas comment il s'appelle, d'ailleurs. Ok, à tout à l'heure. Direction le col des Agathis. Voilà. Par... 2 minutes d'arrêt. Deux minutes d'arrêt. Pas plus, hein. Allez, à tout à l'heure. Bon, on n'ira pas plus haut. À la même hauteur à peu près, et après on redescend à l'col des Agathis pour rejoindre le Gers. Les montées sont sévères quand même, c'est bien raide dans la pente. Heureusement qu'il fait pas chaud, sinon on en chierait. Ok, à tout à l'heure, avec toujours une belle vue sur le lac de Yaté. Ok, toujours en direction du col des Agathis, un petit peu dans la pampa, on se fie à la trace. Normalement, il y a ce col à monter encore là-haut. Ah, on voit le chemin là-haut. Regarde, qui passe dans le col. Tu le vois? Ok, derrière, normalement, ça, cette fois-ci, t'as le col. C'est le col des Agathis, ça. En principe. Ok, à tout à l'heure. Ok, les amis. Donc, nous voilà arrivés au pic du Cintre, qui est là-haut. Et par la même occasion, au col des Agathis, qui se trouve sur le GR. Sur le GR. Donc d'un côté, vous avez par là le GR qui redescend au bois du sud, et de l'autre côté, le GR qui va au creek Pernod, et à Necha par là. Et nous, on arrive de par là. Donc en fait, on va se faire une boucle, redescendre par là, et aller direction creek Pernod, creek Pernod. La boucle Necha 3 pour retourner à la voiture. Je voudrais pas dire, mais on va vers la flotte là. on va vers la pluie. Là, je crois qu'on va se taper un grain là. Ok, à tout à l'heure. Évidemment, bah voilà, on se tape la flotte. Fallait s'y attendre.
Enfin, on a fait le plus dur parce que l'autre partie là, je vous préviens, si vous le faites, il y a des passages qui sont bien techniques, bien raides, et d'autres passages qui sont à travers la pampa. C'est là, bon, c'est un chemin qui est plus utilisé. La trace, elle est là. Mais bon, comme je vous dis toujours, vous vous engagez, c'est vous qui voyez. Normalement, si vous suivez la trace, vous êtes apte à arriver jusqu'au col des Agathis, en fait. Allez, tout à l'heure. Ok. Allez, on a oublié de faire quelque chose, au fait. De faire quoi? Tata bisous, coucou, non. Photo. Bonne année. Pas encore, mais... Pas encore, mais on peut le faire en avant. Voilà, donc... Bonne année, fais-moi plaisir. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année à toi, ça. Bonne année à vous. Il y a un balisage, j'y crois pas. Il y a un balisage. Ah ouais, bah oui, on peut le voir. Voilà. Ok, à tout à l'heure. Ouais. Ok. Donc voilà, là, vous avez une belle vue sur la vallée du Creek Pernod qui est en contrebas, là-bas. Sacré belle vue. On a de la chance, il pleut plus, donc c'est dégagé. Nous, on va redescendre, là, jusqu'en bas. Ok, tout à l'heure. Hop. Alors, Creek Pernod, de par sa couleur jaune, en fait. Il a une couleur qui est relativement jaune. C'est pas mal. Ok, je vous dis à tout à l'heure. Ok. On quitte le GR, nous voilà revenus sur piste cyclable. Enfin, piste cyclable, piste VTT. 3 de la Necha, en fait. Pour rejoindre le parking. Évidemment. Il pleut toujours. Enfin, ça va, c'est pas non plus des grosses pluies, c'est des petites averses. Ok, à la voiture. Ok, bon, et ben voilà, on arrive à la voiture. Ouh. Bon, un beau petit parcours de 25 km, un truc comme ça. Bien sympathique, là on vient de faire une boucle. Alors toute la première partie jusqu'au col Agathis, c'est bien technique, c'est quand même bien technique en fait, parce qu'on est un peu dans la pampa, des chemins qui sont plus trop utilisés. Il y a des bons dénivelés avec pourcentage de pente qui sont assez importants, avec des rochers et tout. Après la partie au col Agathis Pernod, c'est toute la descente dans la forêt sur le GR. Vous avez une partie qui est assez longue entre le Creek Pernod et jusque la vallée là, toute la vallée, et puis après là on arrive à la voiture, et puis voilà. Donc moi, bah, il me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, et puis une bonne année pour l'année prochaine, et puis bah je vous dis comme d'habitude, tata bisous et bonne fête de fin d'année. Voilà, bon réveillon.